salut à tous. Petit problème de cadrage. Salut à tous, c'est Rufo. Merci d'être avec moi pour cette dernière partie, je l'espère, hein, en attendant, cette dernière partie de Parasite Eve sur PlayStation 1. Et aussi, ça me fait un petit peu le mal de, un petit peu de mal de vous le dire, mais voilà, c'est, ce sera le dernier stream officiel de Beats & Molles. C'est pour ça que aujourd'hui, en honneur de cette émission, on va dire, et de ce groupe, je porte le t-shirt du réseau. Et aussi, voilà, c'est donc la dernière de Rétro Beats & Molles en tant que tel. Hein. Alors oui, du coup, je vous explique un petit peu l'histoire. Enfin, rapido, c'est juste la fin du groupe en tant que tel. C'est-à-dire que voilà, Sano, moi-même, Anenisha si un jour il s'y met, Lolo Maru, etc. Bref, voilà, donc chacun continuera de son côté. Voilà, en l'occurrence, alors il s'est passé quoi? Très simplement, de moins en moins de temps de ma part pour arriver à faire des émissions le dimanche. Hein, il y a de très nombreux dimanches qui ont sauté. De beaucoup de mal aussi à arriver à réunir toute l'équipe et d'autres choses. Voilà, je vous passe les détails qui ont fait que, ben voilà, de toute façon, Beats & Molles en tant que groupe, c'était plus vraiment pertinent. On avait Stitcho qui arrivait à avoir ses propres projets de son côté. On avait Hob qui était de plus en plus pris par sa web série Challenger, qui donc ne faisait quasiment plus de live ces derniers temps. Donc voilà, plus vraiment le temps ni réellement la force d'arriver à lancer les choses et à recruter du peuple. Donc voilà, il était préférable qu'on mette fin à l'aventure Beats & Molles qui aura duré 4 ans et qui a commencé donc, comme je viens de vous le dire, en février 2013. En tant que simple émission de vidéaste amateur, pour avouer surtout que c'est une mauvaise gestion du partage de l'argent des abonnés. bref, donc ouais, c'est une émission qui a commencé donc en février 2013 pour le site de news québécois Game Focus. On leur a fait un an de vidéos. Et par la suite, dans l'année en fait où on a bossé pour Game Focus, on a commencé à faire des streams. Dans l'année où on a bossé pour Game Focus, vers la fin de l'année plutôt, non, vers le milieu, je crois. Je me rappelle plus exactement. Faudrait que je revérifie. Sano a rejoint l'équipe qui était composée uniquement d'Anenisha et moi. Et voilà. Et par la suite, on était lancé. On a fait des streams. On a fait des vidéos offline, on a fait des streams chacun de notre côté, on a fait du moderne, on a fait du rétro, on a fait des couvertures de salons comme le Hero Festival 2015. Sano a pris beaucoup d'envergure, on va dire, puisque voilà, il arrivait à dégager un peu plus de temps que moi-même. En plus du temps, il fait toujours d'ailleurs, puisqu'il n'arrête pas lui, il fait toujours un excellent job. Voilà, vers la fin de l'année dernière, donc Lolo qui a pu d'accord. Et Lolo, donc à la fin de l'année dernière, que je suis extrêmement fier d'avoir mis sur les rails, parce que il fait un job vraiment très très bon avec son podcast multijoueur, que je ne désespère pas un de ces quatre refaire avec l'équipe de potes, parce que voilà, c'est vraiment un excellent moment de discussion, de partage, de mauvaise foi aussi. Et donc voilà. Donc bref, toujours est-il, c'est que aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous me voyez porter ce t-shirt. C'est la dernière fois que vous verrez par là
Tout en haut, le logo Beat'em All. C'est la dernière fois que vous verrez donc aussi marqué Beat'em All sur les widescreens, sur les openings. Dès la semaine prochaine, je changerai tout. Là, j'ai pas vraiment eu le temps, pas vraiment eu la force aussi, parce que bon, c'est encore un peu tout frais. Mais voilà, donc bah, écoutez, toujours est-il, c'est que voilà, Ruffo. Merci Lolo, ça me fait plaisir. On va éviter de me faire chialer aujourd'hui, là, s'il vous plaît. Bref, oui, donc je disais, dès la semaine prochaine. Alors d'ailleurs, la semaine prochaine, samedi 4 mars, ça va être du gros stream encore. Alors je l'espère, sans soucis techniques comme toutes les autres fois où on a pu aller au level up de Carpentras. Donc samedi 4 mars, retour donc chez l'ami Flo. Lui aussi, il s'appelle Florian. Il y a une forme de talent dans ce prénom. Donc, on sera de retour au magasin donc Level Up Carpentras chez Florian à partir. Alors, le stream devrait débuter vers 15h, donc le 4 mars. Et ça va être un gros stream qui durera jusqu'à ce que Florian nous foute dehors, donc jusqu'à la fermeture, qui devrait être aux alentours de 18h. Ça se fera encore avec l'ami Selim. On verra si on arrive à avoir Francky, encore une fois, mais bon, on verra ça, parce que bon, lui, il a quand même. Merci, ça ira. Non, me faire pleurer, non, merci, aujourd'hui, c'est bon. On verra si on arrive donc à avoir la présence de Francky avec nous. Et donc, on testera, on fera plutôt, on va dire, un, ça va être plus du test, parce que je pense que j'aurais eu bien le temps de le découvrir tout seul, et l'autre, ça sera vraiment un peu plus de la découverte. Le premier, ce sera Horizon Zero Dawn. Putain, on y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. On y est presque là. Horizon Zero Dawn, ça fait un an et demi, j'en peux plus. Je le veux, je le veux. Là, on y est presque. On est à quelques jours d'avoir enfin Horizon Zero Dawn. J'ai vu les premières previews et les premières. Il y a quelques critiques qui sont tombées avant l'heure. Mais voilà, apparemment, ça a l'air d'être du très très lourd Horizon Zero Dawn. Et donc, on lui fera faire un frontal, puisque ben, on a à notre gauche donc Horizon Zero Dawn, exclusivité Sony, monde ouvert, craft, chasse, plein d'animaux partout. Et archers, montures, etc. Et de l'autre côté, donc, nous avons Zelda Breath of the Wild sur Wii U. Puisque là, j'ai réussi à choper une version sur Wii U. On ne le fera pas sur Switch. Puisque, bon, voilà, ça ne me paraissait pas pertinent de payer entre 360 et 400 euros si on arrivait à bien se débrouiller avec toutes les offres sur le net. 400 euros pour jouer à Zelda. Voilà. Déjà que là, en plus, j'ai fait. On va dire le mini fanboy, c'est-à-dire que je me suis pris donc Breath of the Wild et les 5 amiibo qui vont avec. Donc voilà, ça fait une belle collector, hein, 50 euros le jeu et à coût de 15 euros l'amiibo, sauf le gardien qui est plus gros que les autres et qui est à 20 euros. Donc ça fait une jolie collector, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on fera donc faire un frontal le samedi 4 mars entre Zelda Breath of the Wild et je viens de le dire, Horizon Zero Dawn. Voilà, on mettra les deux face à face, on verra un petit peu les ressentis, on va dire, sur Zelda. Et on verra aussi un avis un petit peu plus poussé sur Horizon, parce que j'aurai eu le temps de commencer à y jouer. Je le reçois normalement grand maximum mercredi. Donc voilà, dès mercredi soir, je commencerai à me faire du Horizon. J'espère le recevoir mardi quand même. J'espère le recevoir un peu avant. Bref, donc là on n'est pas sur un multijoueur, on n'est pas sur un podcast, on est sur le dernier, je pense. On verra si il y a toujours un petit peu de skill daubé, ça change pas. C'est toujours moi, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que Beat'em All n'existe plus que je vais d'un seul coup me mettre à super bien jouer, à être à l'heure à mes streams, à ne plus avoir de soucis techniques. Et à parler correctement. Voilà. Allez, donc, on se lance comme d'habitude. Le petit générique qui va bien, le temps que tout ça se charge. Et donc, c'est la dernière fois qu'on lance le générique du Rétro Bitzémol. Allez, à tout de suite.
Bien, voilà. Oui, les premiers retours de Zelda sont très positifs. Ouais, c'est ce que j'ai cru lire. C'est ce que j'ai cru lire, effectivement. Donc, je crois que me souvenir, voilà, que le x3 sur l'arme, c'était pas la meilleure idée parce que avec le double, avec la double entrée, enfin la double commande. Et le x3, bah, je me retrouvais à tirer 6 fois. Et du coup, je me suis fait littéralement poutrer par The Ultimate Being. Donc, hop, move, tool, move your ass. Ah oui, d'accord, je ne peux pas bouger les Good Luck Charm. Ok. Alors, je vais voir d'essayer donc de modifier, de récupérer donc du. Laisser le x3. Raté. Alors, attends voir. Qu'est-ce que c'est? Je veux juste savoir ce que c'est que. Voilà. Je veux juste savoir ce que c'est que cet effet-là. Random rate of fire. Ah! Ah oui, ça c'est le random. D'accord, on m'en avait parlé de ça, de ce fameux random. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper. Je vais me rééquiper donc avec voilà, le MU1000. Je crois que j'ai pas mieux. Oui, bah c'était ça. Et donc, on va lui coller le random rate. Voilà. Je vais lui coller le random rate. Ah mais attends, je peux. Ah fuck. Je peux pas virer un effet à la con. Ah, ça c'est ballot. Donc. Je vais devoir prendre donc le M93. Mais merde, il est en double commande lui aussi. 49,70. Là, je perds quand même un peu beaucoup en attaque. Ça fait chier ça. Ça fait chier. Je peux pas virer juste. Merde! J'aurais bien aimé arriver à dégager le double commande. Ah, j'ai chié dans la colle. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les rifles. 43, 121, 18. 43, 121, 18. Et là-haut, c'est 57 en base. Putain. Ça bastonne quand même beaucoup plus fort. Token, grenade launcher. Et là, c'est les vestes. Bon, alors, ce qui est certain là, de toute façon, c'est que du x2 avec double commande, je tape. Ah. Du x2 avec double commande, je vais donc taper à. Je vais tirer 4 fois. Je crois que je vais prendre le rifle. On va faire ça. Parce qu'il serait bien que je puisse en fait tirer de plus loin. Donc, on va prendre le plus gros rifle, celui-ci. Je vais lui coller les stats du M8000. Alors, je suis équipé avec celui-là. Je vais prendre les stats du M8000. Comme ça, au moins, je suis débarrassé. Et il est où? Il est là. Est-ce qu'il me reste des slots? Il tire à x3. Et donc je vais lui prendre le random. Parce qu'on en a dit du bien du random. Voilà. Ça devrait être pas mal. Allez. Je sauvegarde un petit coup.
Je vais le mettre. Qui parie sur la défaite de Ruffo. Mais t'es bien vilain, Sora. T'es bien vilain. Je vais le mettre voilà sur une autre. Je te rappelle que la semaine dernière, ma défaite a été internationale. Allez, feu, c'est parti. Essayons voir. Bon, je t'avouerai, papy, que c'est pas vraiment ma cam, le genre de jeu dont tu parles. Voilà, c'est pas vraiment ma cam. Alors, projecteur, plouf, voilà. Allez donc, ça cause, comme d'hab, l'hélico. L'amiral Williams. Blablabla, désolé, je suis en retard, voilà, vite. Oui, ça cause, oh là là. On va avoir l'ultimate being qui va arriver. Voilà, donc l'être ultime va naître et va faire péter un bateau. C'est pas comme si je l'avais vu 40 fois, hein, cette séquence. Voilà. Oh que t'es moche. T'es très très moche. Ah oui, non, il en fait péter, ouais, il fait péter deux bateaux et un porte-avions. Enfin, je sais plus, tiens, c'est marrant, j'ai zappé les termes techniques des noms de navires de guerre. Les carrières, je sais plus. Il me déçoit encore, ceux qui ont joué à Far Cry 4 comprendront qu'il faut se balader dans... D'accord. Allez. Donc la semaine dernière, j'avais réussi à arriver jusqu'à la troisième phase. Je ne sais pas s'il y en a d'autres encore derrière, mais c'était relativement chaud patate déjà. Surtout qu'en plus je jouais avec le petit gun, donc j'étais obligé de me coller vraiment aux bestiaux pour arriver à leur shooter la gueule. Alors ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois il faut que je lance il fallait que je me colle au boss pour arriver à lui shooter dessus. Bon là, vu que j'ai un fusil, ça devrait se passer un peu mieux. Alors, il a des attaques de zone. Ouf. Aïe, voilà. À un moment donné, il va tomber au sol. Et il va... Et voilà. Il a ce genre de coup. Voilà, tu te fous à 1. Donc là, bah, tu n'as pas le choix. Hop, c'est parti pour un full recover. Tac. Voilà, tu claques une grosse partie de ta parasite energy. C'est rigolo parce que je n'ai apparemment jamais besoin de recharger. Pour le moment. Le problème, c'est qu'il tire 4 fois. Quoi. Bon, voilà. Fin de la première phase. Le problème, c'est qu'après, ça va bouger beaucoup plus. Et quand ça va tirer 6 fois... Enfin, la semaine dernière, quand je tirais 6 fois, je me faisais dessouder la bouche. Donc,
Voilà, il est en train de muter, Pépère. Donc là, il me lance des trucs un petit peu chelous. Là, ça va. Ah si, j'ai besoin de recharger. Alors oui, déjà j'ai oublié, c'est qu'à chaque fois, hein, quoique, je peux éventuellement l'allumer comme ça, parce que si je balance un coup de liberate, je lui fais normalement très très mal. Là, en le collant, ça devrait lui faire relativement mal. Voilà. Aïe. Donc là, normalement, un petit coup de liberate. Et ça va lui faire très très mal aux fesses. Voilà. Et d'un, et deux. Bon, ça, c'est, on va dire, à peu près 300 par coup. Donc là, je suis à grosso modo 900. 1002. 1005, 1008, 2100, voilà. Alors le problème, c'est que lorsqu'on a terminé, voilà, on est un tout petit peu... Ah d'accord, c'est-à-dire que ça random même... D'accord, je ne savais pas que ça randomait même le... Oups. Ouf ! Mais qu'est-ce que c'est bouillant ! Ah, 151 par coup. Ça fait quand même un peu de pommel. Aïe. Et là, bizarrement, il m'a pas trop fait mal. Je sais pas pourquoi. Donc là, je vais devoir faire un full recover. Pas la première fois que ça m'arrive, ça. Pa. Et vous voyez, voilà, elle met trop de temps à armer son coup. Elle est bien, 133, c'est gratos. Ça y est, fin de la seconde phase. Donc, alors là par contre ça va être plus chaud. Ça va être plus chaud parce que la troisième phase, donc vraiment il est costaud. Il fait mal très très vite. Voilà, regardez-moi ça. Ouh là là, il a évolué. Et j'ose espérer que la sacro-sainte règle de 3 des Japonais est respecté et qu'on aura réellement que 3 phases. Oups. Voilà, ça fait super mal. Donc j'ai un pre-raise
permet donc de me raise si jamais je venais à claquer. Et pourquoi est-ce qu'il avance pour me taper, lui? Il est très très vilain. Voilà, donc ça, je suis mort, mais je come back. Ok, donc là il saute, il va me faire son couteau chelou qui fait mal aussi, remarquez. Bien, alors, on va commencer à faire péter un peu des médecines parce que là, ça va pas trop des masses. Super, là je vais me le prendre plein pot dans la tronche. Ouais, je trouve que je m'en sors bien. Alors, le full recover, je peux pas. Le pre-raise, je peux le lancer. Allons-y pour un pre-raise. Alors, est-ce que je peux pas lancer un haste? Si. Parce que ce qu'il y a de bien avec le haste, c'est que je peux courir plus vite. Donc je peux normalement tirer plus vite aussi. Et je meurs plus vite. Voilà, il est complètement pété ce boss. Voilà, allez, vas-y, fais-moi mal, t'as raison. Donc, c'est reparti pour un médecine 4. Bien arrivé à lui faire un... Voilà, ça c'est un dégon qu'il arrive. Ah, c'est reparti pour un praise. Wouhou. Oh putain, c'est bon ça. Il a quand même de grosses bolocks. Hein. Et il se passe quoi là? Oula, excusez-moi un instant. Ok, bon, je sais pas. Il s'est passé un truc, ça c'est sûr, mais quoi? Je n'en sais fichtre rien. Alors. Je vais ressortir un peu Raze. Et je vais me sortir un médecine. Il m'en reste un de 4. Oui, il m'en reste un médecin 4. Là, il va sortir son... Oh, putain, non! Ok, merci beaucoup. C'est très cool. Waouh! Il m'a poutré la bouche, mais sévère, quoi. Qu'est-ce que tu fous, toi? D'accord, il vient de me confuse. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, Darkness, Poison, Confusion. Voilà. Voilà, pre-raise. Ah bon? Ah non. Bon, eh ben c'est foiré.
Bon, le random, c'est pas une bonne idée parce que c'est trop long. Donc, même le rifle, parce que je me retrouve finalement à me coller aux gens. Donc, je vais reprendre un petit gun, un petit x2, ça sera parfait. Voire un x2 et random, parce que ça tire quand même relativement vite un pistolet. Donc, on va faire ça. On va faire ça, je vais essayer un x2 et un random. Oui, c'est ça, un x2 et un random. Toute façon, j'ai perdu en attaque en passant en rifle. M8000 avec. Là, c'est le random. Alors attends, je comprends plus là. C'est bien du x2 et du double commande. Ah, la confusion a annulé mon pre-raise. Exact. Je l'avais pas vu venir ça. On va partir sur le G22. Je vais lui coller donc G22, je vais lui coller les stats. Voilà. Et sur le G22, je vais lui coller le random. Voilà. Ensuite, on sauvegarde. Qui nique ta console? Bon, celle-là encore de console, ça me dérange pas parce que. C'est une PS2 dans laquelle j'ai foutu une puce juste pour pouvoir lire les jeux US et tout ça. Donc ça me dérange moins si elle claque, c'est pas une de mes consoles de collection. Et puis ben voilà, hein, ça m'apprendra à avoir une PS1 pucée à la rigueur. Donc je pense que je vais me mettre à la recherche d'une PS1 pucée et d'une PS2 pucée, comme ça au moins. Je serai tranquille pour faire passer les jeux import. Puisque bon, de toute façon, je ne fais jamais de téléchargement d'ISO ou de gravure et tout ça. Pas vraiment mon genre. Bon, 14h39. Deuxième essai. Bon, déjà, j'ai tenu beaucoup plus longtemps avec le troisième boss. Si j'arrive à ne pas claquer connement Si j'arrive à ne pas claquer connement de Parasite Energy, je pourrais arriver à lui sortir un Liberate dans sa gueule. Et ouais, enfin bon, faudrait que j'arrive à lâcher un pre-raise avant, parce que si je lance un Liberate et qu'il me tue, ça sert à rien. Donc, quoique après, bon, phase 1, phase 2, ça se passe pas trop mal. Allez, vas-y. Ça, c'est chiant qu'on puisse pas passer les cutscenes. Je vous jure, c'est casse-bonbon. Allez, blablabla. Pouh, que c'est relou, ça. Scardia, arrête de te reproduire. Oui, c'est le boss final, Lolo. Oui, enfin, en toute logique, c'est le boss final. Bon, Sora Red n'arrêtera pas de te hurler que après ce boss-là, on n'aura pas la vraie fin, parce que normalement, il faut faire un bâtiment supplémentaire qui a 70 étages. Et où apparemment c'est relativement long de se faire les 70 étages. Je sais plus, il m'avait sorti la dernière fois. Sora Red m'avait sorti la dernière fois le temps que ça prenait. Je crois qu'il m'avait dit quelque chose comme un peu plus d'une heure par dizaine d'étages. Donc voilà. Non, pas envie. Pas envie.
Je dois maintenir la consanguinité du Nord à son max. Bonjour Alcanoïde. Oh là là, bah dis donc. Bah écoute, ça fait plaisir de voir que tu viens pour la dernière de l'existence du non-rétro Beat'em All, pardon. Alors là, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus court comme dôme d'attaque. Par contre, voilà, ça tire quand même plus souvent et plus vite. Ah, là je prends un coup. C'est dommage, j'aurais pu éviter ça. En fait, le random, c'est carrément le random de cible, quoi. C'est-à-dire, tu choisis même pas la, tu choisis même pas la cible. Ça part tout seul. Là, je prends un coup. Là, il va tomber. Ah non, wouh putain, trop bien. J'ai même pas eu besoin de lâcher un. Eh ouais, Alcanoïde, bah ouais, écoute. Je sais, ça fait bizarre. Bon, j'ai donné toute l'explication au début. Bon, vu que t'étais pas là, je te la redonne vite fait. Mais voilà, c'est juste la fin de Beat'em All en tant que groupe de streamers. Maintenant, voilà, ça restera toujours. Enfin, on n'arrête pas les streams pour autant, que ce soit Sano, moi-même, Lolo, etc. On n'arrête pas les streams pour autant. On a juste fait cesser d'exister le groupe en tant que tel. Pourquoi là, il met un temps fou ? Pourquoi je mets un temps fou à tirer là ? Ah oui, mais c'est vrai que là en plus. Bon, allez hop, on s'en fout. Un liberate. Voilà. De toute façon, elle va attaquer à peu près n'importe qui, je crois. Voilà, et bim. Voilà, c'est bien. Continue d'attaquer lui. Non, non, reviens sur l'autre là. Voilà. Il y en a pour tout le monde. C'est bien, il l'a attaqué 4 fois lui. Je sais pas du coup si elle a tué le gros piaf. Oui, du coup ça tue le gros piaf. Un coup dans ma gueule. Oh bah voilà. Fin de la phase 2. Bon du coup j'ai plus de parasite énergie, j'ai plus rien. Ça va bien se passer. Je suis totalement à poil pour le début de la phase 3. Ça va très très bien se passer. C'est à dire que là faut que je colle l'ultimate being et que dès qu'il saute quelque part je, enfin faut que je le colle, voilà, faut que j'évite qu'il me saute dessus, putain. Ah non, le saut, je vais pas y arriver. Alors, je vais éviter de déconner. On va se lancer. Mince. Évidemment, là, je peux pas tout ranger. Alors. Aïe. Alors vite, un pré-raise.
Aïe. Alors, je vais voir si je peux lancer un haste. Oui, le haste, ça va m'aider parce que même pour les esquives et tout ça. Voilà, et pour le rejoindre par exemple. Pour la jauge d'ATB aussi. Ce serait con que je claque un. Oh yes! C'est très bon ça. Je vais me relancer de suite un haste. Je sais pas si ça me fait monter ma parasite énergie aussi plus vite. Ça habituellement c'est pas terrible. Y être une médecine 4. Ça de toute façon je crois que j'ai pas vraiment le choix, je suis obligé de me la prendre. Fuck. Allez, un haste, c'est parti. C'est bon ça. Ça c'est moins bon. Sachant que je n'ai plus de médecine 4. Et merde. Mais non, le confuse, il m'enlève pas le pré-raise apparemment. C'est reparti pour un médecine. Non, c'est peut-être quand il me fait sa chope toute chelou là qu'il doit me faire sauter tous les bonus en fait. Du hast mich. Sous les coucougnettes là. Je suis obligé de me faire toucher apparemment dans ce bordel. Ça commence à être un peu chaud patate l'histoire. Bah vas-y, je t'en prie, continue à faire ça. Oh là là! Oh! Oh là 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 là! Je crois que je l'ai fini. Oh. Eh vas-y, c'est quoi ça? Putain, on dirait Valfort de FF10 quoi. Ouais, d'accord, il y a 4 phases. Mais... Oh putain, il y a 4 phases, quoi. J'ai plus rien, je suis complètement à poil. Eh vas-y, un point. C'est pas là qu'il faudrait d'ailleurs le Midas Gun peut-être. Oh mais là je vais pouvoir me sortir un pre-raise. C'est bon ça. Je vais me sortir un haste aussi parce que apparemment va falloir bouger vite pour ces trucs là. Ah, j'ai fait disparaître. Voilà, je fais pas de dégâts quoi. Tu vas voir que c'est là qu'on va me dire. Je sais que tu veux continuer de vivre. Après tout, tu viens de naître, mais je veux vivre aussi, comme tous les autres êtres humains. Comme tous les autres êtres humains. Ah,
On va me lancer un lance-roquette comme dans Resident Evil. Wouh. Putain, il n'y a pas de fin à tout ça. Ah, Maïdas à faire derrière. Si seulement je pouvais donner ça à Aya. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des balles avec les cellules d'Aya en elles. Donc c'était ça que tu essayais de lui donner. Mais je pense que c'est trop tard maintenant. Il n'y a rien que nous puissions faire. Espèce de d'idiot. Donne-les-moi. Il va les jeter par la fenêtre. Oh. Ok. Il est sérieux. Ah ouais, d'accord. Et ouais, c'est vrai que... Et ouais. C'est vrai que tous ceux qui s'approchent de l'environnement proche de Eve ou de l'être ultime ont leur mitochondrie qui s'active. Bon, Daniel, c'est de Maïda. Voilà, donc on a des super balles. Alors du coup... Putain, mon pré-raise, quoi. Je me suis fait sucrer mon pré-raise. Ah oui. Ah bah là. Ah, c'est carrément plus efficace. Oh, je lui fais 1000. 1000 par coup. Ah bah voilà. C'est carrément plus efficace. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Encore une nouvelle phase? Encore... Bah... Non, je l'ai tué? Non! Non! J'ai fini Parasitev! Ouh! Ah, trop bien! Ah, non, il se relève encore. Oh mon dieu! Il doit bien y avoir quelque chose sur ce croiseur, on va dire, pour se débarrasser de ça. Donc apparemment, on va chercher quelque chose. The engine room. Bon, visiblement. Merde. J'aurais dû... Oh oh, j'ai pas regardé par où c'était. Je vais partir au pif. Je crois qu'il y avait une carte là. Le truc, il rampe pour me bouffer, quoi. Hé ! Ah non, non, tu... Ah, tu me fais pas ça ! Non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Je vais te faire un combat épique de la mort ! Et je me fais tuer comme une merde ! Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi cette fin de merde ? Putain, j'ai pas chargé le bon. J'ai pas chargé le bon. Non ! Mais c'est quoi ça ? Oh, comment c'est vilain ! Oh, mais c'est nul ! Je dois tout me rattraper ! Oh là 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 là, non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça pue du derche, ce truc ! Ah ouais, non mais c'est pas du Epic Lose, ça. Le truc, je l'ai défoncé, il rampe à terre. En combat à la loyale, il tenait pas. Alors, on est ici. Le problème, c'est que les gens sont devant, quoi. Comment je fais pour aller à l'engine room?
Alors, est-ce que c'est pas indiqué là sur la map? Ouais, mais vraiment ça pue quoi. Mais ça pue cette histoire, mais c'est nul. Mais c'est super nul quoi. Oh là 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 là, ce truc de merde. Eh vas-y, je vais pas me refaire 40 fois la baston. Fouah. Allez, c'est reparti. Putain, je réussis à le tomber, je réussis. Non, vraiment ça pue quoi. Vraiment c'est nul. Qu'est-ce qu'ils me font en plus comme smiley là? Du sel? Pourquoi faire du sel? Pourquoi faire? Bon, allez, c'est reparti pour le bla 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 bla. Allez, Rage Kit et go Aria of Sorrow. Ouais, 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 je crois que je vais vraiment. J'essaye là, et si vraiment j'y arrive pas à le tomber, franchement, je Rage Kit et je me barre sur Aria of Sorrow. De toute façon, à part la cinématique, je veux dire, il y avait tout. Ou alors, on fait mieux, vous allez me regarder la Solus et vous me dites où je vais. Parce que, non mais. N'importe quoi, il va falloir le faire combien de fois ce fight là pour savoir. Oui, tu as raison. Ça mériterait un compte de jeu. Ouais. Ou alors, faut me dire de quel côté je pars parce que, attends, c'est complètement nul. À la loyale, le truc, je défonce. Et le truc, il est tout crappy. Il a perdu des membres, il rampe comme une sale merde et il arrive à me péter la tronche. C'est débile. C'est complètement débile. Il est où le fun là-dedans, quoi? Ouais, s'il te plaît, ça va, je sais qu'un jour ou l'autre, je reviendrai sur Beautiful Joe. Oui, promis, un jour ou l'autre, je reviendrai sur Beautiful Joe et je le finirai. Promis, juré, craché. Ah, croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais plus chez ma mère. Lolo. Bah sinon je la regarde sur le tel hein. Bla 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 bla. Pendant la cinématique, j'essaierai de trouver vite vite hop la soluce. Allez, vite. Youp. Alors vite 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 vite, solution complète, voilà. Vite, vite, cinquième jour. Non, ça, sinon. Pas de doigt, prends à gauche, puis va vers le nord à la seconde. Voilà. Je suis parti à droite, donc c'était pas ça. Allez, feu, c'est parti. On y va. Allez, fais ton premier coup tout crappy là. Allez. Ouais, je m'en fous. Je vais le tomber avant qu'il me mette à 1. Voilà. Allez, c'est bon. Y'en a marre. Fin de la première phase. Ça y est. J'avais pas vu. Tu
nous diffuse la cinématique de fin sur YouTube. Ah, très bon. Très très bon. Je l'ai pas vu venir. Je comprends pas pourquoi c'est aussi long. Pourquoi d'un seul coup elle est aussi lente? Me suis fait mais casser la bouche. Mais copieux quoi. Oh comme il m'a déboîté. Alors, on s'en fout. On s'en fout. Si, on s'en fout. Allez, liberate. Franchement, ils auraient pu, quand on fait un liberate comme ça, ils auraient pu nous mettre les PV à fond, quoi. Blablabla. Bon, normalement le piaf il tombe. Voilà. Allez, un médecine 4. Allez, voilà, fin de la phase 2. Courez vers la cabine à gauche. Inutile d'essayer de sauvegarder, le téléphone est en panne. Prenez donc la porte à côté, au croisement, tournez à gauche, avancez vers le fond du couloir et entrez par la porte sur le côté droit. Descendez les marches de l'escalier et entrez par la porte sur la gauche. Au croisement suivant, prenez le chemin du haut de l'écran et descendez l'échelle. Voilà, voilà. Allez, phase 3. Alors, dès le début, haste. Voilà. Oh, c'est très très bon ça, Praise. Allez, c'est parti. Woo. Pavé César. Pas mal. Allez, ensuite. Du hast mich. Du plat. Allez, un petit médecine 4 pour garder la forme. Run, run, run for your life. Aïe. Allez, c'est reparti avec un haste. Oh bah voilà, merci. Merci beaucoup. Youpi, donc, c'est donc la chope là qui fait sauter absolument tout. Ça fait sauter la vie, ça fait sauter les PV, ça fait tout sauter. Les bonus. Voilà, donc là. C'est certainement. Hein, quoique c'est peut-être pas.
peut-être pas impossible que j'y arrive avant que ça me tombe sur la gueule. Ouais, ça va. Ça passe. Ok, c'est bon. Il reste dans le coin. Continue à l'allumer. Je lui allume les couilles. Rappelons-nous que je n'ai toujours pas mon pre-raise. Que je n'ai plus de médecine 4. Fort heureusement, il ne m'a pas sorti. Attends, est-ce que j'ai toujours le haste? Oui. Je vais claquer encore un autre médecine. Allez, c'est pas grave, haste. Oh, c'est bien ça, reste là, vas-y, vas-y, je te défonce. Vas-y, vas-y, vas-y. No target. Pourquoi no target? Fin de la phase 3. Oh, c'est très bon ça, c'est très bon ça. Je vais peut-être avoir une fin légite. Ah 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 ah! Deux médecine 3 égale une médecine 4. Mais. Allez, nouvelle évolution. Ok, ensuite, on a Daniel. Non, pas encore. On a Daniel qui va tenter. Ah, quoique là du coup pré-raise et tout ça, ça sert à rien. Je peux lâcher un Elite 3. Il évitera de claquer trop vite. Ah, là on fait pas de dégâts. Okay, alors connasse, reste bien en place. C'est toi de bien te faire allumer la bouche. Non mais, je te crois pas. Allez, putain! Allez, haste! Parce que là, va falloir que j'arrive à me déplacer et que j'arrive à tirer un peu plus vite. Voilà. Ok. La phase, c'est bon. À l'écran suivant, descendez en bas et appuyez sur le tableau de contrôle avec les boutons jaune et vert pour augmenter la puissance de la chaudière. Ah mais d'accord, il me met la suite et fin. Ok. Allez, allez, vas-y, file-moi les Midas Balls. Midas Balls. Bullets. Allez, Daniel, jette-toi. Ultimate Being. On dirait Barrette là comme ça. Ça y est, Barrette a une nouvelle limite. Feu X. Self. Self Fire X. Allez. Daniel. Ah, t'aimes pas ça, hein? Ah, mon gros. Ouh, voilà, ça y est. Allez. Maintenant, c'est bon. Allez, on va se faire une fin légite. Human Torch. Allez, allez, on cause vite là, on s'en fout. Allez, 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 ça cause, ça cause, ça cause. Allez, 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 allez.
Allez, allez, oui, oui, c'est bon. Allez, allez, on y va. Allez. Run. Run for your life. Allez, on s'en fout, on sait où on va, on a regardé la solution, on s'en fout de la carte là. Allez, c'est bon. Allez, bim, du boom. Donc à gauche. Voilà. Ensuite, il y a une puerta. Voilà. Ensuite, oups, on descend les escaliers, il y a une autre puerta. Voilà, et ensuite on m'a dit vers le nord. Le nord. Voilà, le nord. Il y a une échelle. Voilà. Ensuite, il y a un tableau de contrôle. Voilà. La vieille merde arrive. Ok, il y a une échelle. Oh, mais le... C'est pas un être ultime pour rien, hein. Il arrive à ouvrir les portes et tout, il a plus de bras, il a plus d'ailes, il a plus rien. Allez, putain! Mais comment ça se fait qu'il rampe comme ça et qu'il arrive à me suivre? Ah, mais d'accord, tranquille! Allez, putain! Pourquoi tu voles, toi? Est-ce que c'est la fin? Oh, putain, c'est la fin! Yepa! Boum! Ouya! Allez! Adios! Tout cramé de l'Ultimate Being! Ah, attention, séquence émotion. Aya est toute mouillée. Aya nous l'a fait, Miss T-shirt mouillé. Ouais, c'était un peu la pression là. On aurait dit Tyrant ou on aurait dit le Nemesis en train de nous. En train de nous courser. Alors, est-ce que Daniel est tout cuit? Oh, Daniel, il va bien, le costard nickel. Le mec, il a cramé, il est nickel, quoi. Bon, c'est enfin terminé, comme le jeu. Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai ce pouvoir? C'est parce que Maya est à l'intérieur de toi aussi, Aya. Quoi? Quand ta mère et ta sœur sont mortes, ils ont transplanté une part de ta sœur en toi. En moi? Oui. Quand tu avais 7 ans, tu ne te rappelles probablement de rien, mais tu es né avec... With a defect. Ah oui, avec l'œil droit, avec une anomalie à l'œil droit. Et donc, la cornée de Maya a été transplantée dans ton œil droit. Mon œil droit. Donc ce que j'ai vu lorsque j'ai touché Eve était on dit que quand tu as une expérience, quand on vit une expérience extrême, ce que l'on voit est gravé à l'intérieur de la cornée. Ce n'a pas été scientifiquement prouvé. Bah tu m'étonnes, ça les arrange bien les scénaristes. C'était le dernier souvenir de Maya, la dernière chose qu'elle n'a jamais vue. Comme pour les mitochondries qui étaient dans le corps de Maya.
Je pense que j'ai vécu une évolution différente, un changement évolutif différent que celui d'Ève. Merde. De là, j'ai évolué vers le point où je pouvais vivre en symbiose avec le nucléon humain. Moi et Maya, notre puissance mitochondrique. Depuis l'incident du Japon et jusqu'à aujourd'hui avec ça, je me demande si c'est un message pour toute l'humanité. Un message ? Quel genre de message ? Comment puis-je expliquer ? Si la Terre était un seul et unique être vivant, nous les humains envahirions la Terre. Ah, nous, les humains qui envahissons la Terre deviendraient comme des virus hors de contrôle. Nous, par essence, nous déséquilibrons l'état naturel du corps. C'est définitivement de la destruction par l'intérieur, en fait. Non, nous ne sommes pas aussi faibles. Tu vois, les humains sont par essence des parasites. Vous pouvez dire que nous sommes des parasites et que le monde est notre hôte. Regarde, le soleil se lève. Bon. Pas une autre... Ah bah si, petite cinématique. Non ? Ah si, petite cinématique. C'est vrai quand même que ça a quand même vachement vieilli. Les cinématiques ont quand même vachement vieilli. Bon, je suppose que donc c'est la fin. Alors bon, comme le disait Sora Red, c'est la mauvaise fin. Ah tiens, le petit Daniel. Le petit... merde, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le fils de Daniel, je me rappelle plus. Bob. Ben, voilà. Allez, Aya. Merci, Ben. D'accord, donc on en revient au début du jeu, c'est-à-dire que Aya retourne à l'opéra. Avec Ben et Daniel. Je ne suis pas très bon avec ces mondanités. Non, pas moi, j'adore ces choses. Oh mince, j'ai pas eu le temps de lire ce que Aya a dit. Bon, Maeda est toujours là, visiblement. C'est ma première fois, donc je suis tellement nerveux. C'est parce que tu es avec Aya et qu'elle est, elle est super jolie, habillée comme ça. Bon, est-ce que si nous y allions? À Lyon, les enfants. Ah putain, effectivement, Maeda, il tient pas en place. Bon, Daniel et Ben sont en retard, n'est-ce pas? Il ferait mieux de se dépêcher, ça va commencer d'une minute à l'autre. Ça passe tout seul, hein. Les toilettes doivent être vraiment bondées. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je te sens tendu. Oui, bien sûr. Quoi ? Depuis que je ne suis... Ah, putain, ça passe super vite, j'ai pas le temps de lire, quoi. Bon, Ben, il le dégage. Dégage, Maeda. Ouais ! Je m'assois à côté de Aya. J'ai réussi à être à l'heure. Désolé, on est en retard. Il rejoue pas la même pièce quand même que quand... Ah si, il rejoue la même pièce. Pas mal, il rejoue exactement la même pièce. Ah ouais, d'accord, et normalement ils sont censés être morts, mais ils se sont pas fait chier, ils ont utilisé les mêmes modèles.
père, donnez-moi la permission d'épouser Eva. Je l'interdis. Tu sais très bien ce qui y arrivera si tu le fais. Ceux qui succombent à sa beauté, tous meurent dans d'horribles manières. Tu ne comprends pas. Elle est celle qui souffre de toutes ses morts. Elle est le démon. Garde, saisissez-la et brûlez-la sur le bûcher. Forcément, ils sont tous au taquet parce qu'ils pensent que ils vont vraiment la cramer ou que ça va se repasser encore le bordel avec avec Eve. Père, si ça s'entend, c'est la mort. Eh ben, je vous demande de prendre sa vie, ma vie avec la sienne, Edouard. Et là, normalement, c'est la chanson de Eve. Est-ce qu'il réutilise les mêmes pistes ? Ah oui, le public derrière, tout le monde leur demande de s'asseoir. Ah, on nous met pas la chanson. Ah si, c'est la même chanson. La même chanson, la même voix, ils sont pas trop foulés quand même, hein. Voilà. Et oui, et là, quand la caméra était montée, il montrait que tout était en train de cramer. Bon. Le parallèle est un peu facile, je trouve. Ah! Ah non. Mais ça, c'est son œil gauche, c'est pas son œil droit. Allez, qu'est-ce qui se passe avec eux ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec les gens ? Ok, c'est quoi ? C'est le mode fantôme, le mode zombie ? Trop chelou ! C'est trop chelou ! Et surtout, c'est qu'on va avoir aucune explication. Voilà, tiens. Voilà, voilà. Bon. Eh ben écoutez les enfants, donc c'est très bien, là on a pu en terminer avec ça. Ce que je vous propose, c'est vraiment 2 minutes de coupure. Je vous préviendrai sur le chat de marteler le F5 lorsque j'aurai terminé de lancer. Ah tiens, Nomura il a bossé aussi sur le jeu. Bon, comme d'habitude, on va juste se laisser la cinématique jusqu'à la fin. Moi je vais préparer donc ce qui concerne Aria of Sorrow. Bon, normalement tout est prêt, hein. Mais bon, voilà. Maintenant le 2, bah, je sais pas. Quelqu'un là, y a joué à Parasite F2 et peut me dire si dans le 2 ils expliquent en fait là, le délire avec les yeux qui s'illuminent en rouge ou pas. Parce que bon, c'est quand même assez chelou comme fin. Alors après, peut-être que ça s'explique aussi une fois qu'on a obtenu la vraie fin après le comment ça s'appelle, après le bâtiment magique secret. Je sais pas, c'est particulier. Bon, ben toujours est-il, c'est que là, dès que ça passe, je vais pouvoir sauvegarder et puis donc on passera à Aria of Sorrow. Voilà, bah écoutez, je suis assez content parce que je finis dignement l'aventure Beat'em All avec donc ce dernier rétro Beat'em All clôturé aujourd'hui, alors que j'ai annoncé hier donc la fin de l'aventure Beat'em All.
Je vais arrêter d'en parler parce qu'à chaque fois ça me fait monter un petit quelque chose. Donc bon, on va pouvoir, comme je vous le disais, donc on laisse finir l'écran de fin et puis on se retrouve donc dans 2 minutes pour Aria of Sorrow. Allez, à tout de suite. Je sais qu'il est 15h30, mais bon, on peut l'attaquer une petite demi-heure hein, en attendant. Et puis du coup, je vais aller me faire un café, tiens.
Voilà donc, comme je vous le disais, c'est donc bel et bien la fin de Parasite Eve. Allez, ben écoutez, merci à tous d'avoir été présents pour ce live-là. Je vous propose donc une toute petite demi-heure sur Aria of Sorrow, donc le 14e épisode du Castlevania Timeline Project. On reprend et puis de toute façon, on ira jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on fera épisode 14 Aria et épisode 15 Dawn of Sorrow. Et donc, on aura terminé un deuxième projet qui me tenait à cœur, qui est le Castlevania Timeline Project. D'ailleurs, timeline principale, puisque moi, il est hors de question que pour le moment, j'arrête aussi les lives. Donc, on continuera les fois prochaines, une fois qu'on aura terminé ces deux. Je vous en parle, tant qu'à y être, hein, je vous en parlerai pendant le live. Allez, pour la toute dernière fois, donc, on se regarde le petit générique de fin habituel des Retro Beats et Moll. Bientôt, à bientôt, et puis là, pour ceux qui sont là, donc, à dans 2 minutes. Hein, vraiment, dès que le truc est fini, dans 2 minutes, vous faites du F5 et ça devrait revenir. Allez, à tout de suite.